Allez, bonjour à toutes et à tous, et ici c'est Landon pour le 34e épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband saison 2. Alors, je vous avais laissé la dernière fois, on faisait quelques quêtes dans les différentes grandes villes, et on va continuer. Ça augmente la renommée, ça augmente l'expérience, ça augmente les sous, tout est bon. En fait, il faut quand même qu'on monte de niveau histoire de monter à 100, à 100 personnes. Alors, un groupe de bandits qui a infecté. Ok. Il faut juste qu'on augmente la renommée et l'argent qu'on a. Voilà. 47 contre 80, ça va être drôle. Et il nous faut un maximum d'expérience. Ah ouais, c'est des unités à cheval. On va peut-être faire tenir la position. C'est vrai qu'ils sont quand même 47. Ça a l'air d'être des simples bandits. Non, merde. Voilà. Là, ça va mieux. Je me suis un peu chié au début. Boum. J'aime bien, c'est que je tape le cheval et le... Et le Gugus. Allez, oh. Je me suis raté. Faut que je puisse passer. Voilà. Oh, et oh. Laissez-moi tranquille tous les archers. Voilà. Il y a trop d'archers. Non, 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 ça c'est une mauvaise idée. Ok, on va leur dire de charger. Parce que là, je suis mal en point. En tout cas, mon cheval est très mal en point. J'ai failli me prendre un arbre. Ouf. Allez, là, ça devrait être mieux. Il commence à charger. Voilà. Ah. Oh. C'est en train de les défoncer. Et complètement là. Ah ouais, mais c'est du massacre. Oh. Donc on a Hartenheimer qui s'est fait assommer, mais là ils se font mais défoncer. Oh! C'est juste que je sais vraiment pas viser, quoi. Et que je sais pas taper non plus. Voilà. Ça, c'est bon. On a juste eu un blessé, donc c'est plutôt bien. Toc, on améliore tout ça. Mais c'est très bien. En plus, j'ai plein de pain. Question nourriture, on est bon. 142 deniers. On va pouvoir rendre la quête. Toc, 300 points d'XP, renommée augmentée.
Escorter une caravane à Nara. Bof, flemme. Alors attendez, place du marché, on va vendre ceci. C'est toujours un peu d'argent. Combien d'expérience il me faut pour monter au niveau suivant? Ah ouais, encore pas mal, encore environ 5000 d'XP. Ça fait beaucoup. Nous, on va aller ailleurs. On va aller du côté de Veluca. Côté bandit des montagnes. On va passer par Pregondour pour voir où ça en est. 27 jours. Ok. Se promener dans les rues. Alors, t'es qui toi? Marchand de chevaux. Faudrait que j'augmente ma compétence d'équitation aussi. Maître de guilde. Escorter une caravane? Ishamur, bof. J'aime pas les quêtes d'escorte de caravane. Alors. Alors. Un rançonneur. Des prisonniers à vendre, toc 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 toc. Là c'est bon. Zut, je vais voir mon groupe. Nancy entraîné, arbalétrie entraîné. On est plutôt bien. Où est-ce qu'on peut aller? J'ai le cas là. Ah ouais, j'ai le cas là. Il y a des bandits des montagnes, mais bon, on est trop lourd. Se promener dans les rues. L'ancien entraîné. Où est le... Ah, le maître de guide, il est là. Si je me souviens bien, c'est toi. Escorter une caravane. C'est nul. Escorter les caravanes, c'est toujours très nul. Il y a un voyageur. Et puis sous contrat. Qu'est-ce que tu fais, le voyageur? Borcha, il est à Charise. À la limite, on peut récupérer les compagnons. Hein. Effectivement. Charise. Oh, bah c'est pas loin. Allez, on va aller à Charize. Entraînement journalier, c'est bon. Toc, on se carapate. Traité de pas expiré. Taverne. Borcha. Te revoilà. C'est bon tout ça. Fermier. T'as une bande de brigands? Alors, elle est où cette bande de brigands? Qui a lutte? C'est où? Ah, oh, c'est là-bas. Des soldats sont prêts à être promus. Toc. On est bien. Alors attendez, il faut juste que je monte Borcha. Voilà. Ouh, seulement 38. 39 bandits. Bon, c'est là qu'on va s'amuser. La question est, où sont les bandits? Ils sont sous le côté, il semblerait. Ah, oui. Il y a encore des mecs en cavalerie. Voilà, j'ai fait une connerie. Voilà, j'ai fait un peu une connerie, je suis...
Et boum. Ok, là c'est bon, je les tiens. Oh. Je sais même pas taper. Sûr que ça va pas aller. Ah. Ça va, c'est les fermiers qui meurent. Allez. Voilà. Oh la vache. Je suis vraiment mal placé. Il y a plein de chevaux partout. Voilà, c'est bon. C'était peinard. Du porc. Voilà. Renommée augmentée. Ça fait l'expérience pour tout le monde. Alors, nous on va peut-être revenir plus haut. Si on allait à Tatsamèche, peut-être un jour. Ça pourrait être bien. Retourner chez nous. Allez, on se tire. Eh ben c'est vachement pratique cette accélération. Moins 30. Ah forcément, c'est sûr qu'ils vont pas donner beaucoup de sous. Faudrait que je construise une école. 7200 deniers. Augmente la loyauté envers vous de 1 chaque mois. Voilà, je construis une école. De toute façon, il faut que je construise 4 bâtiments au total. Donc bon. On va faire plein de quêtes, ça ira bien. Hein. On va essayer d'augmenter un petit peu le... La renommée. Des graines. Combien de graines avez-vous besoin? Sac de blé. Alors, il me faut des graines. On va aller à Dirim. Peut-être qu'ils en ont. Marchand de biens. Ils ont des céréales. Mais pas assez. On va aller voir ailleurs. Uskal, je crois qu'Uskal il y en avait. Rodok, oh pff. Rodok et Royaume des Nords sont en guerre. Ah non, 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 ça c'est pas cool, t'as de sa mèche qu'au milieu quoi. Ok, on va peut-être y aller avec eux. Comte Talbar. Tu es où, Comte Talbar? Assiégeons Dirim. Badass. Alors, si on va voir si on peut pas piller Burglen. Allez, on va le piller. Yes. Pillage. Ah ouais, j'ai pas mal de trucs. Est-ce que j'aurai assez de place? Oui, j'ai eu assez de place. Maintenant, faudrait vendre tout ce foutoir. On va aller à Uskal, de toute façon. Ils vont laisser le temps, ils vont assiéger Dirim. C'est pas non plus... Alors, là, il va falloir se concerter correctement. Sachant qu'il faut que j'achète du blé. Ça coûte pas très cher. Je peux encore vendre pour 600. Voilà. J'ai encore pas mal de trucs à vendre.
Voilà. Mais alors, voilà. Donc, alors, les olives, on va peut-être les garder. Qu'est-ce qu'on peut revendre? Oh non, c'est bon, après le reste, on peut regarder. Ah, c'est vrai que j'ai plus beaucoup de sous quand même. Alors. Direction d'Irim. Sachant qu'il faudrait aller à Tatsamèche aussi après. Et il faut se méfier. Voilà, faut se méfier de ça par exemple. Là c'est bon. Ah ah, ils attaquent Dirim, on va les aider. Ah, attendez, que je me replace bien. C'est parti. Ouh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas assiégé ce genre de château. Je vais me caler au bon endroit parce que. Ok, nous on en a que deux. Il faut quand même commencer à pousser le truc. S'il n'y a pas grand monde à côté, ça va pas se pousser. Et pour l'instant, c'est plus nous qui en tuons qu'autre chose. Ouais, j'arriverai jamais à les toucher. Si je le touche, je suis là-bas. Oh! Allez, poussez le truc. Il se pousse pas vite là quand même. Allez! C'est lent. C'est très lent. C'est très très lent. C'est pas la partie la plus drôle. En plus, on se fait mitrailler de mort. Allez, on n'est pas loin. On est assez proche là, non? Ça y est. Go. Se mettre au milieu. Eh ben dis donc. Ça va pas être drôle. J'aime pas être sur le côté. La vache, le mec il a un de ses casques. Voilà. Oula, reste un là. Voilà. Pousse-toi. On court. Faudrait que j'augmente mes compétences d'athlétisme. Ça serait bien. Et que quoi? Pourquoi ils vont là-bas? Ah, c'est parce qu'il y a là-bas des renforts? D'accord, les renforts sont ici. C'est pas pratique pour se battre ce genre d'endroit. Je tape dans le tas, je sais pas où, mais je tape. Nouveaux ennemis sont arrivés. Oula. Allez. Allez, poussez-vous. Je vois rien. Ah. En fait, je peux pas te taper parce que je tape sur le mur avant. Je me fais plus taper qu'autre chose, quoi.
Allez! C'est vraiment pas pratique. Allez! Oh mais arrêtez de vous foutre devant moi! Toc. Voilà, juste parce qu'il y a un mur, je peux pas taper quoi. Voilà. Il y a des problèmes avec les stocks quand même. Ouais, j'ai pas vu ma vie, mais elle est genre super basse. Oh, ça va. On a eu un blessé. Et on en a tué 98. Allez. Et les défenseurs dans les rues. Oh, mais... Voilà. Voilà. Mais... Pousse-toi. Mec, ils savent pas se battre. Voilà. Victoire. Ou presque. Les mecs, ils sont bien équipés quand même. J'aime bien, c'est des... Soit dit, hein. C'est bon. Victoire. On l'a eu. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on file la tête sa mèche pour conclure l'épisode. Je vais rendre la quête. Allez, au centre du village. Il est là. Voilà. Prospérité passée de très pauvre à pauvre. Bon, c'est pas très grave, mais c'est pas grave. Voilà, donc on va arrêter là l'épisode. Et ben dis donc, ça a été quand même assez mouvementé. On a récupéré Dirim, on s'est occupé un peu de Tatsamèche, on a récupéré un héros. On a une grosse, grosse compagnie qui s'améliore de jour en jour. Et ben c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et je vous propose qu'on va juste upgrader... Mademoiselle, qui fait du quoi? L'équitation, l'archerie montée. Elle aime bien taper en fait. On va mettre la santé de fer, parce que c'est toujours cool d'avoir un peu de santé. Voilà, donc on va arrêter là l'épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis moi je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous !